Salut Maggie, est-ce que tu veux avoir une pyjama party à la maison? Oh, une pyjama party? Ouais, j'adorerais ça, allons-y. Nastia, je suis prête, allons-y. Ouais, allons-y. Des livres? Pourquoi autant de livres? Parce que j'aime beaucoup lire. Non, 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 non. Pas de livres aujourd'hui. Sortons. Ok. Faisons des bulles. Tellement grande! Oh, Nastia, est-ce que tu sais qu'il y a longtemps, un homme a mis dans un seul ballon plus de 300 personnes? Oh, vraiment? Comment? Les bulles peuvent être si grandes que des gens peuvent mettre des hélicoptères et des voitures dedans! Oh, comment tu sais ça? Je l'ai lu dans un livre! Oui, les bulles de savon peuvent être si grandes qu'elles rentrent même dans le livre des records du Guinness. Waouh! Oh, il fait si chaud. Il fait si chaud. Ah, Nastia. Ouais. Tu veux un soda? Hé, Nastia, est-ce que tu sais que dans un verre de soda, il y a 9 cubes de sucre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, je vais plus en boire. Urgh. Pourquoi pas du jus de pomme? Surprise! Le jus de pomme a 10 morceaux de sucre dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est encore pire que le soda. Tu veux le voir? Comment tu sais tout ça? Je l'ai lu dans un livre à propos du sucre. Mangeons des bonbons. Ok, merci. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas manger les rouges? À cause de ça, je ne mange pas les bonbons rouges. Le pigment rouge s'appelle carmine. Il provient d'insectes broyés appelés cochenilles. Ces insectes sont récoltés sur des cactus, séchés au soleil et broyés. Je ne mange pas de nourriture animale parce que je suis végétarienne. Est-ce que tu as lu ça dans un livre? Bien sûr. Faisons du slime. Allons-y. Oh, on est en train de ruiner le canapé. Oh. On doit nettoyer ça. Ça ne va pas marcher. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je me rappelle de quelque chose. Nastia, est-ce que tu as du vinaigre? Ouais. On va en utiliser juste un tout petit peu. Les enfants, n'oubliez pas, n'utilisez pas ça si vous avez en dessous de 14 ans. Sinon, demandez à vos parents. C'est pour vrai. T'as lu ça dans un livre? Exactement. Il est l'heure d'aller récolter les œufs. Et voilà. Oh, des bébés poules, trop mignons. Oh, qu'est-ce qu'on devrait faire avec? Nastia, t'inquiète pas, j'ai lu un livre sur comment s'occuper des poussins. On va les élever. On a besoin d'une boîte et d'une lampe spéciale qui va leur donner la chaleur. De la nourriture spéciale. Et de l'eau. Maintenant, on s'occupe d'eux. Ouais, ils sont trop mignons.
très important de les garder dans un endroit chaud. Ils vont dormir. Alors Nastia, qu'est-ce qu'on va faire? Lisons des livres. Maintenant, je vais lire beaucoup plus. Comme ça, je vais apprendre plus. Bonne idée.